C'est une visite dans quelques écoles de l'arrondissement 3 pour encourager les élèves ce premier jour de la rentrée des classes, mais aussi recueillir quelques doléances de la communauté éducative, notamment en matière de sécurité des élèves et des établissements scolaires. Jean-Romuald Tshikombo a visité le collège et le lycée 30 mars 1970 avant de se rendre à l'école le 19 septembre 1965 au fond de Tchétié. La relève, c'est vous. Nous, on sera fatigués. Mais si vous n'arrivez pas à nous nourrir, qui va s'occuper de nous? Donc vous devez vous dire que je suis encore jeune, ce sont les parents qui s'occupent de moi. Donc deux matins, c'est à moi de m'occuper de mes parents parce qu'ils ont voulu à ce que je sois un homme. Ils ont voulu à ce que je sois une femme et je dois rendre l'ascenseur. Reçu par les chefs du quartier et la direction de l'école primaire Conférence nationale à Vungu, l'administrateur maire de Tchétché a visité les classes de CE2 et CM2, puis le préscolaire. Ici, des doléances, des actes d'incivisme ont été rapportés auprès du maire de l'arrondissement 3 Tchétché. À Lusala, au-delà de la visite des salles de classe, la sécurité des élèves a été particulièrement évoquée, notamment la défectuosité de ce mur de clôture qui présente un grand danger pour les élèves. Au kilomètre 8, l'administrateur maire de Tchétché a été accueilli par le chef du Sécu 315, Jean Youlou. Jean-Romuald Tshikombo a visité l'école primaire de Mpaka, kilomètre 8, reconstruite et présentant des bâtiments neufs. Puis il a adressé le message d'encouragement aux élèves. De même, à l'école primaire Pambo Benjamin rénovée, avant de faire la synthèse de cette rang des écoles de l'arrondissement 3 Tchétché. Il y a eu les élèves qui se sont présentés. Nous savons que ce n'est pas facile. Mais nous avons aussi laissé un message pour éduquer, encadrer les enfants, les encourager et demander aux professeurs, aux directeurs d'informer les parents des élèves qui ne sont pas venus, les pousser à venir parce que même avec deux cahiers, ils peuvent commencer leur rentrée scolaire. Que d'attendre que tout puisse être prêt, ça prendra du temps et ça risquera de compliquer la rentrée des élèves. Signalons que cette visite s'est achevée au groupe scolaire privé CPT Isaac, au quartier 77 et Dany. La ronde des établissements, je viens...